Carla Moreau, la jeune femme ne se sent pas très bien depuis que l'infidélité de Kevin a été révélée au grand jour. On vous dit tout. Carla et Kevin, leur rupture se confirme. Belle Longuel a récemment fait des révélations au sujet de Kevin Gage. Celles-ci ont eu des conséquences sur son couple avec Carla. Et pour cause, l'ex de Bastos affirme avoir eu une aventure d'une nuit avec Kevin sur le tournage de LBDC. Alors même qu'elle sortait avec Alan, le cousin de Kevin donc, et que Carla se trouvait dans la villa. Bien que le candidat des Marseillais dément les accusations, les internautes sont persuadés que le jeune homme s'est grillé tout seul. Quoi qu'il en soit, on raconte que Carla Moreau aurait décidé de rompre avec son mari. En effet, la jeune femme a retiré son alliance ainsi que son nom d'épouse de sa bio Instagram. Par ailleurs, Kevin a quitté le domicile familial. Carla Moreau, la jeune femme ne se sent pas très bien depuis que l'infidélité de Kevin a été révélée au grand jour. On vous dit tout. Carla et Kevin, leur rupture se confirme. Belle Longuel a récemment fait des révélations au sujet de Kevin Gage. Celles-ci ont eu des conséquences sur son couple avec Carla. Et pour cause, l'ex de Bastos affirme avoir eu une aventure d'une nuit avec Kevin sur le tournage de LBDC. Alors même qu'elle sortait avec Alan, le cousin de Kevin donc, et que Carla se trouvait dans la villa. Bien que le candidat des Marseillais dément les accusations, les internautes sont persuadés que le jeune homme s'est grillé tout seul. Quoi qu'il en soit, on raconte que Carla Moreau aurait décidé de rompre avec son mari. En effet, la jeune femme a retiré son alliance ainsi que son nom d'épouse de sa bio Instagram. Par ailleurs, Kevin a quitté le domicile familial. Carla profite-t-elle du buzz? Bien évidemment, les internautes attendaient avec impatience la prise de parole de Carla Moreau. Kevin l'a-t-il réellement trompé? Sont-ils séparés? Vont-ils divorcer? Tout autant de questions encore sans réponse. Mais pour l'heure, ses abonnés assistent surtout à ses multiples placements de produits. Puis, de temps à autre, elle poste de petites phrases qui en disent long sans jamais entrer dans le vif du sujet. Rapidement, la toile s'est mise à la soupçonner de vouloir se faire de l'argent sur le buzz de sa rupture. D'ailleurs, c'est le compte @fake-influenceur qui balançait, Carla qui était censée s'exprimer fait exprès de ne pas prendre la parole pour faire perdurer son buzz. Comme tout le monde attend ses explications sur sa relation avec Kevin, elle enchaîne les placements et augmente ses prix vu que son audience augmente. Elle joue en mettant quelques phrases de déprime en fin de story pour vous attirer. Elle va essayer de faire le maximum d'argent sur votre dos.
Voilà tout. Un avis partagé par les twittos, Carla surfe sur le buzz, Eltisme ne parlera jamais. Elle n'a jamais autant fait de placement de produits. Bizarre, bizarre. Ça doit lui ramener des vues. Carla, arrête de faire des placements de produits et lave ton honneur ce soir comme prévu. Tu te ridiculises à faire l'autruche tout en tisante, ou encore, Carla, elle nous a pris pour des jambons. On attend toujours qu'elle parle comme elle l'avait annoncé hier. Carla prend la parole. Toutes ces accusations ont commencé à agacer la jeune maman. Alors, dans sa story Snapchat, elle a pris la parole sur une story à fond noir. Elle a écrit, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas. Si je ne parle pas, c'est que j'ai encore trop de colère en moi, de l'énervement et de la tristesse. Bref, beaucoup trop de choses. Je vois pas mal d'articles dire que je profite de cela pour travailler. Si seulement j'arrivais à ne pas souffrir. Je travaille comme n'importe qui irait au boulot malgré la souffrance à l'intérieur de soi. Celle qui prenait à partie son ancienne amie Bastos a ajouté, j'ai besoin de temps pour m'exprimer. Je vis une période très dure. Je suis vraiment blessée. Merci pour vos messages, vous me donnez beaucoup de force. Au vu de la situation, il est aisé de comprendre que l'influenceuse ait besoin de temps avant de se gonfler à cœur ouvert. D'autant que, de son côté, Kevin Gage semble avoir repris le cours de sa vie et poursuit ses multiples placements de produits. Il n'hésite pas non plus à sortir et à partager de nouveau son quotidien avec les internautes. La candidate se confie sur sa santé. Cette fois, Carla s'est emparée de ses réseaux sociaux afin de parler de son poids. En effet, nombreux sont ceux qui ont remarqué les kilos perdus depuis que l'affaire a éclaté. Vous m'avez demandé combien de kilos j'ai perdu, moi je m'en rendais vraiment pas compte. Je m'en rendais compte quand je présentais les vêtements et que mes jambes étaient fines. Mais je n'ai pas de balance chez moi, donc je ne pouvais pas savoir combien de kilos j'ai perdu, a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre, hier j'étais chez une amie à moi qui a une balance et je me suis pesée, je fais 53 kilos. Pour tous vos résumés, avant ma grossesse, j'étais beaucoup plus jeune forcément. J'étais à 49 kilos et là je suis à 53. J'ai grave perdu. Après grossesse j'étais montrée à 64, un truc comme ça. J'ai perdu énormément de kilos mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais quand je vis un choc émotionnel, je fonds directement. Je n'arrive plus à manger. C'est noué à l'intérieur de mon corps. Et ça se voit très vite. Voilà qui est clair.